À la une ce soir, les journalistes de Côte d'Ivoire marchent pour célébrer la 21e journée mondiale de la liberté de la presse. Un événement en présence de la ministre de tutelle, Maître Afousiata Bamba-Lamine. Toujours en Côte d'Ivoire, une organisation non gouvernementale américaine au chevet des enfants souffrant de malformations congénitales. Elle prend en charge leurs soins médicaux. Enfin en Égypte, la campagne présidentielle s'ouvre sur fond d'attentats. 4 personnes ont été tuées hier dans les violences. Madame, Monsieur, bonsoir et soyez les bienvenus. La liberté de la presse célébrée aujourd'hui, samedi 3 mai, il s'agit entre autres d'évaluer cette presse et de défendre les médias des attaques contre leur indépendance. Ici en Côte d'Ivoire, les journalistes ont commémoré cette journée à travers une marche. C'était en présence de la ministre de la Communication, Maître Afousiata Bamba-Lamine. On fait le point avec Herman Niamien. Une marche pour commémorer la journée mondiale de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire. Presse nationale et étrangère se sont donné rendez-vous à Fraternité Matin pour marquer l'événement. Aux côtés des journalistes, la ministre de la Communication, Afousiata Bamba, est venue apporter son soutien aux hommes des médias. Elle a participé à la procession qui est partie du siège du quotidien Fraternité Matin jusqu'à la maison de la presse au plateau. La liberté de la presse, indicateur majeur de la bonne gouvernance dans un État. En Côte d'Ivoire, le tableau n'est pas réalisant. De la 96e place sur 120 pays évalués en 2013 par Reporters sans frontières, un rang déjà peu honorable, la Côte d'Ivoire est passée à la 101e place en cette année 2014. La présidente par intérim de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Habiba Dembélé, reste toutefois optimiste pour l'avenir. Nous condamnons fermement toutes les formes de violation des droits des journalistes, toutes les atteintes aux libertés des acteurs des médias. Mais nous restons convaincus qu'à l'image des démocraties avancées, l'avenir reste meilleur. C'est pourquoi nous exhortons tous nos confrères à continuer de faire preuve de professionnalisme dans l'exercice de notre métier. Le gouvernement ivoirien n'est pas insensible aux cris de cœur des journalistes selon le ministre de la Communication. Cependant, Afousiata Bamba les invite à demeurer professionnels. Je reconnais que des efforts restent encore à faire sur le long chemin de la liberté de la presse. Mais il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que la Côte d'Ivoire, en matière de presse, ne la bâillonne pas. Encore moins ne la muselle. Et cela, nonobstant le militantisme politique avéré de certains journalistes qui confondent liberté de la presse et fantasme et qui préfèrent parfois la propagande à la véritable information. Une autre attraction de cette journée, la remise du prix spécial du concours de caricature du nom du journaliste Désiré Huet, assassiné par des bandits. Ce prix est revenu à Kevin Seraillé de Guiche Magazine, représenté à cette cérémonie par son collègue Désiré Atsin, lui-même classé deuxième à ce concours. 21e journée mondiale de la liberté de la presse célébrée aujourd'hui, mais beaucoup reste à faire car plus d'une centaine de journalistes sont emprisonnés ou retenus en otage dans le monde. Pire encore, certaines populations ne disposent pas d'un accès libre à l'information. Alors, que pensent les journalistes de cette célébration en Côte d'Ivoire? Ils sont au micro de Herman Niamien. La liberté de la presse même est le baromètre même de la démocratie dans toute nation en ce 21e siècle. Alors il est important pour les journalistes de montrer aux gouvernants qu'il est mieux d'être dans un État libre qui célèbre la liberté d'expression. Et quand les journalistes sont bâillonnés, c'est l'État, le gouvernant qui est indexé. Alors il est plus demandé la responsabilité des journalistes, mais il est encore mieux de demander la responsabilité des gouvernants. C'est l'occasion de faire le bilan. Le bilan par rapport à nous-mêmes. On doit se demander comment avons-nous exercé la liberté. On doit se dire, est-ce que nous avons bien fait ce que nous avions à faire? Si oui, il faudra quand même prendre l'engagement de faire mieux. Sinon, il faut prendre l'engagement de faire mieux. C'est le point, l'occasion de faire le point aussi par rapport aux facteurs internes qui nous ont empêchés d'exercer la liberté. De ce point de vue, l'année a été très difficile pour nous. Et nous sommes mobilisés pour dire aux décideurs qu'il faut faire attention. C'est déjà un plaisir de savoir que les journalistes sont célébrés, la journée des journalistes est célébrée. Mais ce que merci je peux dire, c'est que chez nous, dans nos pays, abris, il n'y a vous pas plaît. De liberté véritable.
Donc ce qu'on demande aux autorités, c'est de faire un effort, de laisser les journalistes s'exprimer, de laisser les écrits libres. En tout cas, c'est le souhait, parce que jusque-là, on se dit qu'il y a une nette amélioration, mais ce n'est pas ce qu'on veut. Cette journée est en même temps une occasion pour le journaliste de se remettre en question par rapport à son rôle qu'il joue. Comment il le fait? A-t-il les moyens pour le faire? Et quelle est sa contribution dans l'œuvre de développement? On a remarqué que nous, les journalistes, nous ne sommes pas en paix. C'est-à-dire que quand tu travailles, tu n'as même pas la liberté de bien travailler. Et cette journée est la bienvenue. On espère que tout va bien se passer. Les autorités aussi vont prendre des solutions, quoi, des résolutions pour ça. Quand on dit les journalistes célèbrent la journée de la liberté de la presse, on a tendance à penser qu'ils ne sont pas libres pour écrire, ils ne sont pas libres de leur mouvement. Souvent, les gens ont réflexion sur la sécurité. Mais pour nous qui sommes de tendance syndicale, nous pensons que la liberté du travailleur se situe beaucoup plus au niveau salarial. Et aujourd'hui, dans le milieu du secteur de la presse, les journalistes sont très mal rémunérés. Et donc, pourquoi nous battons pour l'application effective de la convention collective qui tarde à mettre en œuvre le patronat? Alors, nous pensons que quand on aura abouti à ce niveau-là, à l'application effective de la convention collective, les journalistes ivoiriens se sentiront encore plus libres dans l'exercice de leur métier. On change complètement de sujet, on s'intéresse à l'humanitaire. L'organisation non gouvernementale ivoirienne Children's Hope et un partenaire américain portent assistance aux enfants souffrant de malformations congénitales. Les deux structures ont notamment pris en charge les soins d'un jeune enfant atteint de bec de lièvre. Les détails avec Abou Sanogo. Une mère très heureuse de revoir son fils. Surprise, joie et émotion dans la famille Kwaku qui retrouve son enfant, rentré en très bonne santé des États-Unis après y avoir séjourné pendant un an. Souffrant d'une malformation congénitale, communément appelée bec de lièvre, le petit David Kwaku a dû être évacué aux États-Unis d'Amérique pour y recevoir des soins appropriés. Aujourd'hui, il va bien. Grâce à l'ONG américaine Ray of Hope, partenaire de l'ONG ivoirienne Children Hope, qui soutient la cause des enfants victimes de malformations diverses dont les parents n'ont pas toujours les moyens. Le coût du traitement aux États-Unis provenant de subventions privées revient à 60 000 $, soit 30 millions de francs CFA. Le petit David a regagné sa famille le samedi 12 avril dernier en compagnie de la présidente fondatrice de l'ONG américaine à la tête d'une forte délégation. À cet effet, tous les bénévoles de l'ONG ivoirienne ont réservé un accueil chaleureux à leurs hôtes. Ensuite, les deux ONG ont rendu visite aux pouponnières de Yopougon à Thiers et des 220 logements. Trois enfants ivoiriens se sont envolés pour leurs soins aux États-Unis d'Amérique avec l'ONG américaine. Ils souffrent respectivement de sévères malformations des membres inférieurs et supérieurs, de malformations faciales et de malformations congénitales. Ils seront intégrés dans des familles d'accueil dès leur arrivée aux États-Unis. Comment se préparer à l'approche du Ramadan? Les fidèles musulmans de la mosquée de Koumassi Ramblé-Kaïra ont organisé récemment le tafzir. C'est une cérémonie de lecture du Saint-Coran. Il s'agit pour le fidèle musulman de renouveler sa foi en Dieu. Les explications de Michel Mambou. Commentaires et interprétations du Saint-Coran à la mosquée Kaïra de Koumassi Ramblé. Une cérémonie pour préparer les fidèles musulmans à entrer dans le mois sacré du Ramadan. À travers le tafsir, les fidèles renouvellent leur foi en Dieu et s'engagent à se laisser guider par la lumière du Saint-Coran. Le Coran est la seule lumière qui peut nous amener à quitter dans l'obscurité que nous avons dans la vie. Tout ce que nous cherchons, c'est obscur. C'est parce que nous avons laissé le Coran. Si nous le prenons, nous verrons ce que nous recherchons. Étaient conviés à cette prière imams et fidèles de bien d'autres communautés du district d'Abidjan et de Bassam. Cette année, le mois de Ramadan devrait débuter aux alentours du 28 juin prochain. Les fils et filles de Dédi sèment la réconciliation nationale dans la sous-préfecture de Diégonéfla. C'est dans l'ouest du pays. Les populations, cadres et autorités administratives ont pris l'engagement d'œuvrer pour le développement de leur localité. Ils ont récemment échangé sur les questions relatives
au développement des structures, notamment la construction d'une école et d'un marché. On retrouve Michel Mambo. Chants et danses de réjouissance sur la place publique du village de Dédi, dans la sous-préfecture de Diégonifla, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le village reçoit les élus et cadres de la région, ses fils pour la plupart. L'occasion est donc saisie pour présenter quelques doléances. Dédi n'enregistre qu'une seule pompe hydraulique pour une population de près de 2000 âmes. Nous voudrions, pour apaiser les souffrances des populations, l'installation de 3 autres pompes hydrauliques, l'installation de l'électrification du village, la construction d'un marché couvert. Des préoccupations qui trouvent oreilles attentives auprès des illustres hôtes. Le maire de Diégonifla, Bagro Goli, dit en prendre bonne note. Il invite par ailleurs les ressortissants de Dédi à cultiver l'union et la paix, toutes choses qui devraient contribuer à accélérer le développement du village. Au Nigeria, les parents des jeunes filles enlevées par les islamistes armés de Boko Haram demandent aujourd'hui aux autorités nigérianes de faire appel à l'aide internationale pour obtenir leur libération. Campagne électorale pour la présidentielle du 7 mai prochain en Afrique du Sud. L'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition, promet aujourd'hui un rude choc à l'ANC au pouvoir. Lors de son grand meeting de campagne, le parti a également dénoncé les conditions de vie de la majorité pauvre du pays. En Égypte, la campagne électorale, elle, s'ouvre sur fond de nouveaux attentats. 4 personnes ont été tuées hier dans des violences. La campagne doit s'achever le 23 mai et le scrutin présidentiel est prévu les 26 et 27 mai prochains. Une série d'attentats a frappé l'Égypte ce vendredi. 2 personnes, dont un policier, sont mortes au Caire lors de 2 attaques à la voiture piégée. Plus tôt dans la même journée, 2 attentats suicides ont fait au moins 1 mort, 1 soldat, dans le Sinaï. Depuis la violente répression qui s'est abattue sur les partisans du président déchu, Mohamed Morsi, les forces de l'ordre égyptiennes sont régulièrement la cible d'attaques revendiquées par des groupes djihadistes. De nouvelles violences en Somalie, au moins 7 personnes, dont un responsable de police, tuées aujourd'hui dans un attentat à la bombe à Mogadiscio. L'attaque a été revendiquée par les insurgés islamistes Shebab. Samedi matin, une bombe a explosé au cœur de Mogadiscio, faisant au moins 7 morts, dont 4 civils et 3 policiers. Selon des sources sécuritaires, la bombe était fixée sur la voiture conduite par Abdi Kafi Ilolé, un responsable de la police somalienne. Elle était télécommandée et a été actionnée à distance lorsque la voiture est passée près d'un carrefour très fréquenté, proche de l'ambassade de Turquie. Le responsable de police, directement visé, et ses gardes du corps sont morts dans l'attaque. J'ai vu un cadavre allongé sur le sol. Autour de lui, j'ai vu plus de 10 personnes blessées par cette bombe qui visait le policier. L'explosion de samedi n'a pas été revendiquée pour le moment. C'est la dernière d'une série d'attaques revendiquées par les insurgés islamistes Shebab. Affiliés à Al-Qaïda, ils combattent le gouvernement somalien affaibli, financé par la communauté internationale. Drame dans le nord-est de l'Afghanistan. 300 personnes ont péri hier dans des glissements de terrain survenus dans un village. Les autorités locales signalent la fin des opérations visant à retrouver d'éventuels survivants. Les équipes de secours menaient d'intenses recherches samedi dans le nord-est de l'Afghanistan pour tenter de retrouver des survivants après les glissements de terrain qui ont fait plusieurs centaines de morts. La catastrophe est survenue à la suite des pluies torrentielles. Un torrent de boue et de pierres a coulé le long de la vallée sur plusieurs centaines de mètres de large. Les autorités afghanes craignent un bilan beaucoup plus lourd. Le gouverneur de la région a estimé que plus de 2500 personnes pourraient avoir trouvé la mort. La crise ukrainienne pour terminer, l'armée de Kiev a lancé aujourd'hui une nouvelle offensive contre des bastions pro-russes dans l'est du pays. Dans la matinée, les 7 observateurs de l'Organisation pour la coopération et la sécurité européenne retenus par les séparatistes de Slaviansk ont été libérés. Et c'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous demain, dimanche 4 mai, toujours sur RTI 2.